Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode des Rendez-vous du risque. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer les modalités de réalisation d'une analyse de contexte externe dans le cadre de l'accomplissement de votre cartographie des risques. Les derniers référentiels de la profession, et notamment la norme ISO 31000, amènent à une meilleure structuration de ce type d'analyse. Dans cette vidéo, nous allons voir comment dérouler une analyse de contexte externe. Quatre points clés. Premièrement, cette analyse de contexte externe doit permettre une meilleure prise en compte de l'écosystème de votre organisation. Deuxièmement, même si le risk manager connaît très bien le secteur, il aura intérêt à structurer ses réflexions en vue de faciliter leur partage. C'est aussi un moment de prise de recul sur les prochains challenges de votre organisation. Troisièmement, il est possible d'utiliser des outils simples qui vont permettre de structurer la pensée. Nous allons notamment dans cette vidéo présenter le PESTEL. Quatrièmement, cette analyse de contexte externe peut être aussi menée conjointement avec d'autres entités, notamment avec les personnes en charge de la qualité. Nous l'avons dit, l'analyse de contexte externe va permettre de davantage prendre en compte l'écosystème dans lequel votre entreprise évolue. L'écosystème, c'est d'abord les parties prenantes, les fournisseurs, les partenaires, les élus, etc. Mais réfléchir à son écosystème, c'est aussi réfléchir sur les tendances et les facteurs influenceurs dont l'évolution va impacter directement ou indirectement votre entreprise. Enfin, l'écosystème, c'est aussi réfléchir à la complexité des interdépendances en envisageant par exemple la sous-traitance en chaîne. En d'autres termes, prendre en compte son écosystème, c'est envisager son entreprise de façon étendue. Afin de réaliser l'analyse du contexte externe, on peut utiliser le PESTEL. Le PESTEL est un moyen mnémotechnique qui permet de s'assurer que tous les thèmes susceptibles d'influencer une organisation ont bien été pris en compte. Ainsi, pour chacun des thèmes, on va recenser les éléments susceptibles d'avoir un impact direct ou indirect, positif ou négatif sur votre entreprise. 6 thèmes feront l'objet de cette réflexion. Le P pour les influences dues au secteur politique, le E pour les influences d'origine économique, le S pour le social, le T pour la technologie, le E pour l'environnement au sens de l'écologie et enfin le L pour le légal. Bien entendu, les éléments recueillis seront aussi utiles pour les analyses de risque. Nouveauté des derniers référentiels en management du risque, il faut dorénavant s'intéresser aux interdépendances. Elles peuvent être de toute nature, elles peuvent être directes, ce sera par exemple le cas avec les parties prenantes du type fournisseur-clé, mais elles peuvent aussi être indirectes, ce sera par exemple le cas de décisions politiques prises dans un secteur économique différent de celui de votre organisation, mais susceptibles malgré tout d'avoir des répercussions sur votre activité. Cette réflexion vient approfondir les analyses de PESTEL ou de parties prenantes vues précédemment. Ces interdépendances peuvent être positives ou négatives, elles peuvent être avérées ou potentielles. Le périmètre est large. Vous l'avez compris, dans l'analyse de contexte externe, le risk manager devra sûrement regrouper plusieurs compétences internes pour réaliser cette analyse. Il va jouer le rôle d'un véritable chef d'orchestre. Merci pour votre attention.